Donc, Planète Arthur, la compile, le retour. Nom de la piégeuse, Marilyn. Sa mission, appeler son mari Patrick en direct du cabinet d'un voyant un peu spécial. Avec Arthur dans le rôle d'Igor, un voyant russe pas très clair. Accessoires de la mission, une boule de cristal, un téléphone, un appareil photo et une chèvre. Allô? Allô? Oui. Mon cœur, ça va? Eh oui, mais qu'est-ce que tu fais, Marilyn? Oh, qu'est-ce que tu as, la voix? Eh, ça va pas depuis ce matin. Je suis allé au docteur à 4 ans, mais c'est pas ça, moi, je t'attends depuis 5 heures moins le quart, là. Dis-moi, je suis à Marseille, là. Tu es à Marseille? Qu'est-ce que tu fais à Marseille? Ben, ça va pas trop te faire plaisir, mais bon, tu sais que je suis une bonne voyante. Oui. Tu te souviens de la dame qu'on avait rencontrée à la foire de Marseille? Oui. Oui, donc elle m'a mis en relation avec un monsieur qui a une entreprise de voyance. Ouais. Et j'ai postulé et j'ai obtenu un poste. Alors, je vais faire... Quoi? Oh, mais attends. Je vais faire voyante. Ça va un peu t'énerver, mais bon, c'est pas grave. Tu te calmeras ensuite. Donc, je vais faire voyante pour les hommes qui sont frustrés sexuellement. Ouais, mais attends, moi, je suis pas d'accord, mais ça va pas au con, là. Y a pas besoin de ça pour que tu ailles faire, je sais pas chez qui, là, hein. Ouais, mais attends, c'est bien payé, hein. C'est de 18h à 1h du matin. En plus, quand tu es au pompier le soir, mais ça va pas ou quoi? Mais tu es pas un peu folle ou quoi, Marilyn? Mais quoi? Non, mais attends, oh, arrête, là, c'est. Marilou. Oui. Marilou, je vais vous amener les affaires qu'il faudra porter, hein. D'accord. C'est lui là, Marie. Ben, c'est ça, là. Le monsieur là qui m'en passe, c'est Marilou. On dirait le russe là qui avait à la foire de Marseille là. Ben, c'est lui. Marilou. Oui. Tu te mettras sur ce tabouret. D'accord. Tu croiseras les jambes, hein. D'accord. Non, mais c'est ce connard là, passe-moi ce connard là. Comme ça, on voit un peu ton petit cul. Mais passe-moi le connard là, c'est un cul. Allô? Allô, oui. Qui vous êtes, vous? Igor. Igor, moi je dis pas bonjour, je te connais pas. Quel est le problème? Le problème, tu laisses ma femme tranquille et ma femme rentre à la maison. Mais, ou alors je viens. Mais monsieur, je n'ai rien fait. L'autre fois, on l'a rencontrée, elle est venue, c'est elle qui a pris mon numéro. Elle qui a insisté pour venir. Moi, je fais un travail et la dame, elle vient, elle me dit je veux travailler. Je lui dis non, elle connaît les règles, on fait de la voyance cul nu. Ouais, moi la règle, moi je vais te la faire la règle, que je vais te voir. Mais je t'attends. Il n'y a pas de problème. Tu ne m'impressionnes pas, pardon? Oh, parle bien, hé. Hey. Oh, Marie, j'en ai rien. Mais c'est mon employeur, c'est mon patron, on dit. Donne-moi son adresse parce que j'arrive là. Marilou, tu peux continuer à téléphoner pendant le temps, je prends les photos. Montre ton petit cul. Voilà, c'est bien comme ça? Très bien. Oui. Oh, Marilyn, oh, qu'est-ce que c'est cette histoire là? Dégrafe le soutien-gorge. Voilà. Oh, Marilyn. C'est bon là? L'anglais est bon? C'est bien, mais fais un peu plus la salope. Oh, passe-moi-le, lui. Caresse-toi. Marilyn, tu me passes le mec, allô? Pedrov! Allô? Voilà. Non! Va chercher le berger allemand. D'accord, allô? Très bien. Marilyn. Oh. Marilyn. Quoi? Allô, passe-moi le mec, là. Mais laisse-moi, je travaille. Tu travailles, matin, mais qui est les photos? Moi, je t'interdis de prendre des photos, là. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est pour faire la publicité, je t'en prie. Oh là là. Igor, on a appelé le chien, il est parti sur un autre plateau, mais on a la chèvre. Oh, quelle est belle piquette! Qu'est-ce que c'est? Allô? Viens, doucement. Approche doucement. Oh, j'ai toujours rêvé d'avoir une chèvre. Tu le sais, mon chéri, j'adore les chèvres. Marilyn, mais qu'est-ce que c'est ça? Caresse-lui le bouc. Putain, le bouc, je vais bien enculer sa mère à lui, à ce connard-là. Oh, ils sont doux, ces poils, hein? Et tes poils, ils sont doux à toi? Oh, l'enculé. Oh, Marilyn, je vais lui casser la bouche à ce connard-là. Pedrov. Ouais. Si on lui met du sel sur le string, la chèvre va lécher. Effectivement, la chèvre aime le sel. Va chercher du sel de Guérande. Ah, allô. Ça fait des chatouilles. Allô. Ah, ça fait des chatouilles. Marilou. C'est bon, attends, tu rentres plus à la maison, là. Qu'est-ce que tu me fais, là? Marilou, mets-toi totalement nu. Arrête avec de bavarder. Oui. On prend les photos. Oh, Marie, passe-moi cet enculé, là. Passe-moi-le cet enculé, là. D'où il sort ce connard, là? Allô. Allô, oui. Ouais, oui. C'est un culé, tu vas laisser ma femme tranquille premièrement. Pourquoi tellement de gros mots? Parce que tu es un connard. Pardon? Parce que tu es un connard. Bon, ben je raccroche alors. Eh ben t'as qu'à raccrocher si tu veux, connard. Au revoir. La mission n'est pas terminée. À suivre, une séquence de claquettes cuisseaux avec bruit de verre et animaux de la ferme. Allô, oui.
Oh, Marie, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ouais, tu es content? Tu es content? Voilà, maintenant, à cause de toi, j'ai une fessée. Il va me mettre une fessée parce que tu l'as énervé, que tu as mal parlé. Qu'est-ce que tu dis comme connerie? Mais là, ma tâche, j'ai jamais entendu parler comme ça et tout, là-haut. Marilyn, oui, tais-toi, Patrick, quoi? Présente-moi ta croupe. Voilà. Que je te donne une fessée. Voilà. Aïe! Oh, Marie, mais ah. Oh, mais qu'est-ce que c'est ce monde? Aïe! Oh! Oh, ouais! Tu as l'air d'aimer ça. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Mais rien. Oh, tu en manques de quoi? Petrovna! Bravo! Bravo! Hey! 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 Donne-moi un verre, Igor, là! Bien sûr, tiens, prends, bois un verre! Marilyn! Oui. Nous allons faire rentrer les animaux! Ah, il a raccroché. Je crois que c'est le hibou qui l'a rendu fou. Allez, encore un petit effort. Allô? Allô? Oh, Marie, c'est quoi ce cinéma là? Attends. Non, mais tu rentres à la maison là. Oui, oh, le petit chat noir, je peux le garder pour la maison comme ça. Non, le chat noir est cadeau pour toi. Oh, le petit chat noir. Oui, le chat noir. Ouais. Tu vas voir, j'ai des bons canaris à manger à la maison. Ouais, c'est ça. C'est ça, demain, même pas tu passes le palier là ce soir. Marilyn, passe-moi Patrick. Ouais. Tiens, je te passe mon patron. Patrick? Ouais, vas-y, parle. Toi, y'en a tapette. Ouais, tapette, mes couilles, ouais, tapette. Tu vas voir, j'ai une tapette. Tu veux mon adresse? Ouais, je veux te faire. Viens nous rejoindre et faire la fête avec nous et ouais, ton animaux. Pas de problème. Bonjour, Biquette. Bonjour. Tu peux noter? Oui, tu me donnes ton adresse. Toi, pas être gentil. Ouais, moi, pas gentil. C'est... Tu veux l'adresse d'Igor? Ouais, vas-y, donne-moi l'adresse d'Igor. Ouais. Igor, il va donner son adresse. Vas-y. Hey, hey, hey. Qui va donner l'adresse? Igor. Hey, hey, hey. Alors. Allô. A comme amour. Hey, hey. Amour. R comme... Herpès. Herpès. T comme... Théolé. A-R-T. T'es comme... T'es ok? Comme l'art. L'art. L'art de la chanson. Igor va donner la prochaine lettre. Hey! 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 Patrick, combien de lettres as-tu noté? 1, 2, 3 pour l'instant. Rajoute un H. H comme... Hey! Oh. Hey! Ah, ça y est, j'ai compris. Oh putain! Patrick! Ouais, ça va, j'ai compris. Tu es en direct sur Fun Radio! Ouais, mais ça va, j'ai compris. Arthur, le roi de la radio. Enfoiré, ouais, bien eu. Franchement, c'est des enfoirés, là. Tu as l'air d'aimer ça. Qu'est-ce que tu fais? On fait de la voyance et tu... Planète Arthur, Planète Arthur, la compile, le retour. Cette fois, ils sont sans limite.